temps, on a été réputé au niveau de l'arbalète pour organiser différents championnats, les stages, donc par le savoir-faire aussi des bénévoles qui font le coulage des plombs, bien sûr, parce que Thaon est quand même référent par rapport à ça. Donc il y a beaucoup de clubs qui nous demandent des conseils. Ensuite, les installations donc, qui ont été mises à disposition par la ville, donc à savoir donc, la première salle ainsi que l'extension avec la deuxième salle où c'est qu'on est actuellement. Donc ça permet d'accueillir un maximum de tireurs dans de bonnes conditions. Et effectivement, on accueille aussi régulièrement les championnats départementaux à la carabine, pistolet et arbalète à 10 mètres chaque année. Combien de bénévoles pour encadrer le nombre de personnes qui vont venir ici sur le week-end? Alors sur ce week-end, ça demande à peu près, on va dire, entre 15 et 20 bénévoles par jour. Donc très compliqué, surtout en semaine quand les gens travaillent. Donc ça va que j'ai quand même un groupe de personnes qui sont en retraite, mais les retraités, voilà, ce sont pas non plus. Enfin, je ne veux pas les mobiliser non plus les 4 jours, donc il y a un roulement qui est fait. Mais ça demande entre 15 et 20 personnes par jour. Donc c'est vraiment une grosse gestion, surtout pour la restauration le midi. Enfin, il y a le bar, la caisse, la restauration, il y a la gestion des pâtires, la gestion aussi du changement des plombs. Lorsque les matchs sont terminés. Donc j'ai une équipe de bénévoles qui sont tout de suite dans les starting blocks pour vraiment changer les plombs immédiatement pour qu'il y ait un roulement qui se fasse assez, enfin que ça soit assez fluide et qu'il n'y ait pas d'attente au niveau des plaques arbalètes sur les pas de tir. Et combien de participants justement sur Alors, ce... il y a, alors en nombre de tireurs, hein, il y a 53 tireurs. En nombre de tirs, je ne sais pas exactement, puisqu'il y en a qui tirent les deux disciplines, 10 mètres et 30 mètres. Donc je dirais à peu près 70 tirs, 60, 80, entre 70 et 80 tirs, je dirais, à peu près. Voilà. D'accord.